J'en ai nous déjà, Mario Antonio Palacios Palacios alias Floro, Wodolge Dodof, pape Jom admet pour yota condamné yo même seul. C'est moun y a plivré, c'est moun y a voué beauté, c'est deal qu'a fait. Et depuis hier, son seule nouvelle qu'a fait actualité en dedans pays, c'est arrestation ancien sénateur l'Ouestan, John Joel Joseph, qui lui-même c'est youn présumé auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. À chaque arrestation qui fait, nous obligés de retourner à la source, nous obligés de retourner derrière pour aller chercher un ensemble de formations, pour aller chercher toute cohérence, toute vraisemblance, toute zone d'ombre qui a gagné dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, pour nous porter au bas, pour nous aider à comprendre plus bien qui raison qui anime, qui raison qui pousse la justice américaine, qui pousse FBI, qui pousse département d'État américain, prend en charge, prend en base le dossier la mort président Jovenel Moïse. Qui ça me joigne? Gagné deux points qui semblaient tête pour tête, tant qu'au dégoût de l'eau. Ni dans rapport de CPJ, ni dans plainte pénale FBI te déposé contre Palacios Palacios. Nous prenons le saisir de ça. Il y a trois groupes qui participaient à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Posez-vous la question, qui trois groupes qui sont dans quelle catégorie nous classé les gens? Mario Antonio Palacios Palacios, nommé la justice américaine. Ou gagné John Joel Joseph actuellement là, qui en bas code Jamaïque. Nous gagné Rodolphe qui trouve actuellement dans le pays États-Unis. Nous prenons catégoriser, nous prenons classer Mounsayo par rapport avec deux points di nou qui semblent tant que deux gouttes de l'eau, ni dans le rapport des CPJ, ni dans plainte pénale FBI été déposé. Donc, restez là pour connaître toute information. Mais la grande question aujourd'hui, faut nous connaître qui réelle motivation pays États-Unis gagne dans toute démarche ou entreprendre là pour chercher, pour marrer tout nègre. Quel te parraine, quel te marraine, quel te cousin. Li te met chien la kal Jovenel Moïse qui participait dans complot pour assassiner le président. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Polan. Tac 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous croiser encore. Non, moment, non, occasion qui est extrêmement spéciale là. Côté nous pral continuer avec tout épisode ça yo. Chaque arrestation, chaque nouveauté qui gagne dans le dossier président Jovenel Moïse, faut que nous aidons à comprendre. Pour ça arriver fait, faut que vous branchez. Et pour ça arriver fait, faut que vous partagez vidéo. Chaque vidéo qui sortit sur Chanel là, partagez-vous, soit vous regardez pourquoi abonner à la chaîne, pas hésiter à faire ça. Rapide, vite, parce que là, vous avez tout élément de formation, vous avez bon genre d'information, sans force côté ni voyer monter. Dernière présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix, en allez. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. René Descôtes. Nous comprenons, va m'expliquer nous. Nous tous qui regardons les vidéos là, nous avons besoin de faire preuve de bon sens. Pour nous comprendre ça pral di yo, pour nous comprendre tout déroulement émission net qui pral edo centré dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, à chaque arrestation qui fait en façon pour pas perdu courrier, pour pas perdu par rapport avec un ensemble de formations qui a circulé sur réseaux sociaux yo. Donc obligé metto on top qui té l'esprit ouvert pour comprendre ça pral di la yo. Moi je dis nous gen deux points qui semblaient tant que deux gouttes d'eau qui semblait tête pour tête, youn nan rapport de CPJ, l'autre là, nan plainte pénale FBI te rédigé contre Mario Antonio Palacios Palacios. Eh bien, c'est qui ça lié? Gagné trois groupes moun
qui participait dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Premier groupe là, ce sont les commanditaires. Je vais expliquer nous, oui. Restez là, oui. Deuxième groupe là, ce sont les auteurs intellectuels. Et troisième groupe là, ce sont les exécutants. Nous là, nous comprenons? Bon, nous reprenons pour nous. Premier groupe mounio, c'est ça nous les commanditaires. Deuxième groupe mounio, c'est ça nous les auteurs intellectuels. Et troisième groupe mounio, c'est ça nous les exécutants. Nous allons commencer rapide vite avec le premier groupe là. Les commanditaires. Qui ça qui ont commanditaires? Posez-vous toutes questions. Et bien, les commanditaires, nous ka mettre dans même panier avec un bailleur de fonds, un monde qui gagne l'argent, qui a financé un projet. Et bien, dans le cas assassinat président Jovenel Moïse, premier groupe moun sa a parlé de yo qui c'est commanditaire yo. C'est un groupe moun qui ont intérêt, qui ont intérêt dans projet pour yoter assassiner président Jovenel Moïse, qui gagne l'argent pour investir et puis qui investit dans projet a. Qui baille l'argent, qui mette l'argent à la disposition de auteurs intellectuels, nous prenons jeune pi bala, eh bien, yon mette l'argent, comprenant que, le yon fin assassiné Jovenel Moïse en dedans paysan, bon, paysan, c'est sûr, c'est président par yon pral mette, yon pral vina avec gouvernement par yon, tout bagay pral accessible pour yon, l'argent sa yon investi, l'argent sa yon débloqué pour projet pour yon assassiner Jovenel Moïse, yon pral rentrer, yon pral multiplier par 10, yon pral multiplier par 100, yon pral multiplier par 1000 parce que son forme d'investissement yon fait. Son l'argent yon investi dans un projet sordide, dans un projet barbare pour yon assassiner un président, et puis après, le coup en fin passe, tout bagay bien passé pour yon, et ça remet dans tête yon, et puis après, yon pral récupérer l'argent yon, yon pral rentrer l'argent yon. Maintenant, question pour nous poser tête, nous, qui sont les commanditaires? Qui est moun sa yo qui gagne l'argent, qui mette l'argent à la disposition de projet pour assassiner président Jovenel Moïse? Qui est yo yé? Et bon bagay pour nous retenir. Le arrêté Rodolphe Jean récemment, Dodo fait comprendre que lui-même li te gen nan 130,000 dollars américains pour te coordonner. Pour te coordonner, et selon tout élément de formation qui sorti yo, Rodolphe Jean, qui ça le fait, c'est yon nan moun qui t'a coordonné parce que c'est la kaili machine de, c'est la kaili yo jwenn zam, c'est la kaili yon groupe colombien te rete. En termes de coordination, Rodolphe Jean lui-même, c'était Wally, c'était mission. Nous pral retourner dans commanditaire yo. Est-ce que 130,000 dollars américains, Rodolphe Jean te gen nan men l'en fait de li en commanditaire? En sérieux? Est-ce que 130,000 dollars t'a suffi pour monter un projet d'une telle envergure pour y aller assassiner un président? Non. 130,000 dollars pas suffi à lui-même seul. Donc, si Rodolphe Jean te gen 130,000 dollars nan men, est-ce que c'est 130,000 dollars qui sorti dans poche li? Et m'te dit nous dans dernière émission m'te fait, n'est ça tellement kon l'argent? L'argent va sortir dans poche facile comme ça. Sinon que l'argent vini, yo t'a préféré prendre, yo t'a préféré toucher ça yo rien comme ristoun jou l'argent au lieu yo t'a dit yo pral retirer l'argent dans poche pour yo dépenser comme ça. Donc gon moun ou bien des moun qui là qui gon l'argent à la disposition de projet cap bay Rodolphe Jean l'argent, cap bay John Joel Joseph l'argent, cap mette l'argent à la disposition de Badjo Félix pour mener à terme projet 7 juillet yo te gagné pour assassiner Jovenel Moïse. Si n'ap cherche un commanditaire, si n'ap cherche un premier commanditaire, son premier me dit nous oui, c'est pas seul commanditaire qui gagne dans dossier assassinat président Jovenel Moïse non. N'ap retourner dans rapport de CPJ. Et selon l'élément de formation que pasteur Emmanuel Sanon te bay, CTU, c'est yon commanditaire. Puisque Emmanuel Sanon te fait comprendre, c'est CTU qui te prête l'argent, qui te mette l'argent disponible pour financer ça ou ta pral planifié en Haïti comme coup d'état pour chavirer Jovenel Moïse, mais finalement qui aboutit avec assassinat. Donc si nous cherchons commanditaire, si nan plein de pénal FBI là y a cherché commanditaire. Si nan rapport de CPJ y a cherché commanditaire. Yo poko poser la patte sous directeur exécutif CTU. Moi même m'a demandé est-ce que vraiment dossier assassinat président Jovenel Moïse la pas avancé dans bon sens. CTU qui sont entreprises américaines
Pendant que nous cherchons commanditaire, il faut que nous cherchions commanditaire, il faut que nous jouions des gens qui sont puissants, des gens qui vraiment ont l'argent, qui ont investi dans un projet malhonnête, dans un plan macabre, il faut que nous cherchions, il faut que nous jouions. Qui ça la justice américaine a fait avec CTU toujours? Qui ça la justice américaine a fait avec Antonio Endriago toujours? Qui fait jusqu'à date, il y a pas l'eau de commanditaire, il y a cherché commanditaire, et puis la caillou, directeur CTU, il y a l'aise comblaise, la prend les écoles. Est-ce que c'est Haïti seulement commanditaire yo? Est-ce que c'est Haïti seulement commanditaire yo kayé? Alors que nous connaissons pertinemment bien. Nous connaissons qui ça qui t'a dit, qui ça, pasteur Emmanuel Sano, t'a dit dans la déclaration de te baye. Donc, premier commanditaire, ça, nous kembe toujours, nous kembe CTU toujours. Et dans les jours à venir, n'attendons que la justice américaine m'y fait ce que de droit avec le directeur exécutif là. Étant donné, Sénat américain, yo adopte une loi, côté que yo mande département d'État, dans 90 jours pour yo bay un rapport détaillé sur tout le monde qui participe, tout nom, tout projet, tout plan, toute date importante qui gen pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. N'attend à ce que CTU implique directement comme une commanditaire yo. Deuxième bagaille qui est important, deuxième point important. Nous sommes dans le premier point qui c'est les commanditaires. Deuxième point, c'est les auteurs intellectuels. Parce que c'est trois groupes de monde qui planifient, qui réunissent pour planifier l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous sommes dit, il y a les commanditaires, il y a les auteurs intellectuels, il y a les exécutants. Maintenant, auteurs intellectuels. Gonti bémol, là, gonti bémol. Ça qu'on arrive dans quelque situation, yon commanditaire ka à la fois yon auteur intellectuel. Tout dépend de qui objectif li genye, tout dépend de qui mission li bay tête li, tout dépend nan qui point li participer nan projet a, et dans ce cas-ci nan qui plan, nan qui point yo participer nan mete campé assassinat président Jovenel Moïse. Bam ba non ti exemple simple, nan qui cas un commanditaire ka à la fois un auteur intellectuel. Tant qu'on prend exemple, ancien sénateur John-Joel Joseph, ancien sénateur, nous connaissons l'exemple depuis le sénateur, c'est l'argent qui a boté en dedans pays. On dit nous, il plein l'argent. Il a gagné l'argent et qu'on y a l'autre bagaille pour le faire, c'est assassiner le président Jovenel Moïse. Il a gagné l'argent qui est disponible, il a gagné l'idée. L'idée principale là, c'est bon côté, c'est dans la tête, dans gros boule tête, il a dans l'issue. Donc, étant donné qu'il a gagné l'argent pour le financer, et l'idée pour tout le Jovenel Moïse pour faire crime, nan. C'est lui-même qui te gagne. Elle permet à ce que l'argent là permet à ce que vous cherchez exécuteur, vous cherchez criminel pour aller tout le Jovenel Moïse. Maintenant, il est à la fois commanditaire et auteur intellectuel. Est-ce que nous comprenons? Même pas disait John Joseph. Pas disait lui-même qui fait tout le bail ensemble, non? Parce que à lui-même seul, nous sommes gêta bas nous en commanditaire, c'était donc à lui-même seul, il va pas prendre en commanditaire. Parce que gain l'argent pour dépenser, négro gain l'argent, te gain l'argent là pour planifier assassinat président Jovenel Moïse. Là, c'est exemple côté que Mounan, car à la fois en commanditaire et en auteur intellectuel. Quand il y a souvent une question, est-ce que Mounan pas car ni commanditaire, ni auteur intellectuel, ni exécuteur en même temps, tout doux simplement Mounan sont criminels. Parce que s'il réunit tous les trois points à non lui-même à lui-même seul, donc son criminel lié. Bon, n'a pas continué. Auteur intellectuel, c'est qui ça lié? Auteur intellectuel, c'est moun qui gen idée. C'est moun qui réunit toute idée, qui monte plan, qui fait tout préparatif yo. Vous comprenez? Qui pral abouti avec crime. Tant qu'on a cadre assassinat président Jovenel Moïse, l'on prend Rodolphe Jean lui-même, son auteur intellectuel. Parce que, comme je dis, nous, c'est Rodolphe Jean qui a abrité Zam, la Kaeli. C'est Rodolphe Jean qui mettait un groupe colombien, un groupe assaillant, la Kaeli. C'est Rodolphe Jean qui lui-même tape serré machine, la Kaeli. Ça fait de lui un auteur intellectuel. Maintenant, si nous avons parlé de John-Joel Joseph, nous avons vu ce Mario Palacios Palacios tout à l'heure. Si nous parlons, nous considérons la situation de John-Joel Joseph. John-Joel Joseph, qui ça lui fait? John-Joel Joseph, nous tous les vidéos, côté John-Joel Joseph, il t'a prêté serment. John-Joel Joseph, c'est un criminel assermenté. Est-ce qu'on t'a déposé? Un criminel assermenté. Il prête serment,
li juré pour le mener à bien, mener à terme mission le gain pour l'assassiner Jovenel Moïse, li juré pour le continuer mission sans garder derrière, même s'il fallait que l'Almaron y en cavale la continuer mission. Et John Joseph rapport enquête de CPJ fait connait que c'est un nan moun qui était à loué machine, dit tête nous bien. Ancien sénateur, moi-même connais depuis bien longtemps, m'a regardé parcours John Joël Joseph, m'a dit le gros effort, c'est un idiot de la place. Ça son franchement, un monde qui pas même qu'a dit propre non, ça son gros idiot. Permettez-moi. Donc, si John Joël Joseph nous considérer le comme un idiot, moi m'pa vinn défendre ni pour me dire que li pa ka planifier assassinat Jovenel Moïse, li pa ka commanditer assassinat Jovenel Moïse, li pa ka exécuter assassinat Jovenel Moïse, c'est pas ça me dit. C'est pour montrer nous qui différence qui gagne tout bon. Le moun non situation côté que l'œil prend décision le prend, li pa quitter trace, li pa quitter malgré que pas grand crime qui pas fait non. Mais avant ta remonté avec Mounsa qui sont auteurs intellectuels, il t'a paru extrêmement difficile. Donc, ou a dit John Joel Joseph son monde qui t'a gain cerveau, son monde qui t'a réfléchi, qu'on y a pral font crime. Nous pral louer machine pour colombien, on paquet assassin nous faire rentrer en dedans pays et puis c'est avec quatre li la louer machine. Non maison machine alors que depuis en prend la rue depuis ta bon petit fuite d'information qui prend yo pral get aller dans maison machine yo get konn qui est qui louer qui machine qui etc. Donc John Joel Joseph li pa kèr li louer avec pièce d'identité li pa faire on l'autre moun fèl li pa font l'autre facilitateur fèl li pa font l'autre agent de liaison fèl. Donc ou a John Joel Joseph gon bagay qui pa marché et ceci gon dicton qu'il faut comprendre que le criminel fait toujours une œuvre qui le trahit. Quand on va regarder toute démarche, tout parcours John Joel Joseph, que ce soit dans le machine, que ce soit dans différentes réunions qui te gagnent, li fait réunion avec CTU, li fait réunion avec Colombien au Cairo d'Orge, li fait réunion, fait rencontre avec yo et nan pèlerin, bon kay président avec Badjo Félix. Donc John Joel Joseph lui-même, il n'est pas innocent dans ce qui passé. Mais John Joel Joseph n'a pas admis avec lui que ce n'est pas seul Green Moon. Et John Joel Joseph n'a pas qu'à seul Green Moon qui a planifié un crime d'envergure, un crime capital comme ça. John Joel Joseph n'a pas gagné assez de brin pour le monter pour ça pour quoi. Donc, est-ce que John Joel Joseph. Leur extradition, elle prend le fait pour rentrer aux États-Unis parce que si nous regardons l'antécédent de Gélan avec Mario Antonio Palacios, nous n'avons pas traité d'extradition. Coopération Haïti-Jamaïque n'a pas de résultat dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. C'est sûr que Jean FBI prend Palacios. Jean est déporté, bon, extradé, disons, sans, Rodolphe Jalan. C'est le même. C'est le même très bientôt. L'ordre a le temps de que. John Joel Joseph, il prend les États-Unis. Il prend le comparaître devant la justice américaine pour répondre à une question. Notre dossier assassinat président Jovenel Moïse, pas bien sorti de là. Maintenant, est-ce que John Joel Joseph lui-même, il prend le fait même genre avec Dodoff, il prend le fait même genre avec Palacios, il prend le déballer. Il prend le passer dans le deal là. Il prend le livrer l'autre monde. Il prend le bail des informations qui prend le utile avec FBI qui pral utile avec département d'état américain qui pral permettre dossier en bouger beaucoup plus. C'est ça pour nous connaître. Et dernier groupe moun yo, c'est exécutant yo. C'est là où exécutant yo le plus souvent, c'est eux même qui porte toute fado parce que c'est eux même qui gen gâchette sensible, c'est eux même qui pété balle l'obtent de Jovenel Moïse prend 12 balles. Ah, et pas blague. 12 balles. Qui est-ce qui pral admettre? Qui pays qui pral admettre? Qui l'autre président, n'importe l'autre pays, qui pral admettre, qui pral tolérer que un groupe mercenaire, un groupe assassin rentre dans l'autre pays, assassiner président, et comme si de rien n'était, pour ne pas arrêter impuni. Pour la justice, pas t'a dit rien. Donc la kainou, c'est tolérant. C'est tolérant et nous accepter que Negyo assassine Jovenel Moïse, j'ai une instruction chita sous Oriel, il va prendre merde. Et puis, tout le monde a regardé tout le monde a prêté tonne, c'est États-Unis qui fait dossier bouger, c'est États-Unis qui fait dossier marcher. Là, on va le comprendre. Exécutant, c'est eux-mêmes qui principal auteur.
principal auteur yo, parce que c'est eux-mêmes qui fait crime non, c'est eux-mêmes qui exécuter projet, c'est eux-mêmes qui participer dans tout les Jovenel Moïse etc. Donc l'on prend colombien ça yo. L'on prend 18 colombiens qui dans pénitencier national yo. L'on prend Mario Antonio Palacios qui dans mes États-Unis actuellement là. Moun sa yo, c'est des exécutants. Ah oui, c'est des exécutants. C'est yo même yo te allé chercher en Colombie. C'est yo même yo fait rentrer en Haïti avec mission pour arrêter Jovenel Moïse, avec mission pour assassiner Jovenel Moïse. Et jodi an la, n'ap admet avec même la justice haïtienne, même autorité haïtienne yo. C'est yo même qui a cassé fait couvrir ça parce que l'on a gardé en quantité nèg qui c'est soi-disant auteur intellectuel en quantité nèg dans pays qui participait des CPJ qu'on est yo et juge d'instruction qu'on est yo gen mandat d'amener derrière yo yo gen envie de recherche derrière yo et pour attendre on individu tant que John Joel Joseph jodi an là yo arrêté avec deux passeports qui gagnent deux fausses identités côté joine yo. Qui est-ce qui délivre lui? Donc jodi an la, faut poser tête aux questions, faut le passeport ça yo, l'autorité haïtienne yo prend passeport ça yo. Le passeport ça yo ta rentré en Haïti ou bien le ta photographié information qui sous page passeport pour ta garder date émission passeport, qui le passeport ça sorti en dedans immigration à joindre John Joel Joseph. Pour nous ta connaît le passeport ça le terre mettre John Joel Joseph deux passeports ça qui gagne deux fausses identités là dans lui qui est qui était ministre de l'intérieur à l'époque faut que nous connaît toute bagaille ça yo qui est qui était directeur immigration à l'époque et m'a dit un bagaille qui sérieux qui extrêmement important posez tête nos questions le colombien ça rentré en Haïti qui est qui était ministre de l'intérieur. Si m'pa trompe m, et m'pa quoi m'trompe m, c'est exactement ça, c'est Gonzague Dey. C'est Gonzague Dey qui était ministre de l'Intérieur. Et l'on a dit Gonzague Dey. Gonzague Dey contre sa sécurité. Gonzague Dey consacré les un plan de sécurité. Li contre ça, ça veut dire principe d'intégrité du territoire. Papa Gonzague Dey, ancien Makout, moun ki pa nan jouet, moun ki pa nan bluff avec cause de sécurité, moun ki sensible à la gâchette. Donc, ou pral dim que. Des séries de mon avant yo parlé au doux yo sérieux yo c'est ancien Makout yo fier etc etc et puis c'est comme ça nous menons un pays, c'est comme ça nous traitons un pays, c'est comme ça nous permettre nous ouvrir barrière, nous ouvrir le champ libre pour pas que ta ça c'est rentré vin assassiner président Jovenel, vin assassiner un président Palacios li dou li quitter pays a pas bateau, John Joel Joseph li dou li quitter pays a pas bateau et information yo fait connait que c'est dans côte sud pays yo passé pour yo lagué quoi yo Jamaïque. Ah oui, yo passé de côte sud pays pour yo aller Jamaïque. Donc gon machine gon paquet moun jodi an la qui a facilité gang sa yo criminel sa yo qui était en Haïti qui était pays et pendant autorité haïtienne yo pas en mesure pour yo chercher avis de recherche des nèg yo pas ka jwenn yo en Haïti parce que gen autorité k'ap serré yo. Autorité k'ap serré yo et c'est là pral vinn comprendre entre commanditeur yo et auteur intellectuel yo gagne des facilitateurs, gagne des agents de liaison. N'ap gen tan tourner sou point ça yo parce que moun sa yo ki responsable pour livrer nèg sa yo passeport faux passeport, moun sa yo ki responsable pour faire nèg sa yo circuler en dedans pays jusqu'à ce qu'yo chapé pour yo dans machine officielle, dans machine service de l'état yo konn ki pa fouye, moun sa yo ki responsable pour serrer nèg sa yo, ba nèg sa yo côté pour yo rete avant que yo quitte pays. Moun sa yo c'est des facilitateurs, moun sa yo c'est des agents de liaison et moun sa yo yo rend tête yo complice de assassinat président Jovenel Moïse. Donc nèg sa yo pas sans honte assez, nèg sa yo pas réalisé mal y a fait pays en toujours, yo fait carré besoin diriger, yo fait carré besoin chef en dedans pays. Et moi même un message qui clair pour mesdames yo. Ah oui, je dis, hein, mais ça, c'est pour toute femme. Je connais nous mes chefs, je connais nous mes autorités, nous remets pour mari, nous ta co-dirigeant, pour nous prouver les machines officielles, la sirène, sécurité dans derrière nous, et nous faisons ma cap en dedans pays. Eh bon, me dis non. Gede mal propre, nous tombons là-dedans et nous cherchons. Gede série de petits chiens pour voir.
ti tchoul pouvoir, ti sousou pouvoir. Nous wè kan dedans pays ça. Tout gouvernement monte se yo, tout président monte yo ba ou chan. Ou pa kon si yo opposition, ou pa kon si yo pouvoir, ou pa kon sa yo yon de dan pays. Mais se yo même ou vise parce que ou tellement besoin pouvoir, tellement besoin faire moun wou, et puis reto ton bon ba ou tentenade qui pa ka util ou anye. Qui tellement gen aspiration, qui tellement gen vision pour yo gérer pouvoir de dan pays, yo prêt pour yo faire n'importe tente. Yo prêt pour yo même participer nan assassiner un président. An gade! Yo arrêté John Joel Joseph Jamaïque, madame ni deux petites li. Lorsque ces femmes, des fois même les nèg la tadou, ah chérie dossier politique ou connaît li même remet et la dalle pour mourir, bakay, des fois faut ka di non, des fois faut ka di ma ou, ah non. Ou entre dans dossier là moi même pas marron pour. M'pa vinn marron pour, m'pa marron avoir petite moi pas marron pour. Soit nous ensemble, soit nous pas ensemble, that's it. Et puis qu'on y a regardé jodi hein, malheureusement avec des petits moun. Yo oblige à le cacher juge Jamaïque parce qu'on malandré choisi de participer dans complot pour tuer président. Est-ce que c'est possible? Il pas possible. Il pas possible. Maintenant pendant moun sa nan men autorité jamaïcaine yo oblige gen des démarches qui pral fait, oblige gen des procédures qui pral fait pour chercher est-ce que madame pas complice, pour chercher est-ce que madame pas connaît, est-ce que madame pas participer pour qui ça? Parce qu'on choisit ou mari saucisse ou mari lalo avec un malandré qui pas gen rien pour avec loyauté, qui pas gen rien pour avec moralité, qui pas gen le sens du devoir, qui pas respecté rien. Mesdames, faut que nous suspendons avec bagay sa yo. Sinon, on a payé très cher. Et bon, paquet l'autre, des séries de monde qui ont affinité avec soit ancien président, ancien ministre, ancien sénateur, ou t'en dois paquet de vieux dossiers sous nous. Ou senti moun yo tellement confortable, yo fier, yo dit, ah, moi m'tende, yo dit, papa m'vole, papa m'ceci, papa m'cela, moi m'bakon bagay comme ça, et fier de papa m'etc. On a toujours fier de papa. Ou ka toujours fier de parents, de proches ou de amis qui impliqué dans n'importe vieux dossier sale lié. Mais qu'on seul bagay pour qu'on est. C'est jou moun sa qui pou ko rive pour la justice démasquer. C'est jou moun sa qui pou ko rive pour société, pour tout moun wè en balle, pour tout moun wè a intel son mafia tout bon, intel son délinquant, son criminel lié tout bon. Yo prend des mesures contre lui, yo prend des mesures, yo sanctionnel, yo voye l'on côté pour la réfléchir. C'est gens pour arriver mais les gens arrivent. Ou bien même fierté ça ou bien pral camper pour dire c'est et persécution et persécuter persécuter papa et persécuter persécuter tonton. Ou pas pas dire bagaille comme ça. Donc quiconque jodi là qui impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse, il te met c'était parrain, il te met c'était marraine, il te met c'était tonton, cousin et gardien whatever mon idée. N'importe si tout te gagne, n'importe statut te gagne, c'est joint pour qu'on arrive pour mettre maintenant pas de casse à vous et puis là ça tout le monde pral connaît réellement qui est souillé et puis tout parler en puis la suspendre tout show off ap suspendre. Oui, tout bagaille ça au droit suspendre dans pays parce que assassinat Jovenel Moïse montre deux bagailles. Il justifie deux bagailles en dedans pays ça. Premier bagaille là, n'a vive dans pays son savant nié. Admettre li difficile pour admettre mais son réalité Haïti son savant. Haïti son savant parce que nous pas gagné, nous gon ministère de l'intérieur, nous gon ministre de l'intérieur, nous gon directeur général dans ministère de l'intérieur, son paquet incapable, son paquet inutile yo. Son paquet moun ki chita kap touche l'argent pour un travail yo pas ka faire, pour un travail yo pas vle faire et pour un travail on paquet vo rien là, matin midi soir fait bri nan oreille moun avec machine officielle, on paquet sécurité alors que pays en population besoin sécurité, nous besoin policier, n'a paye yo pour yo kembe nous dans ignorance, n'a paye yo pour yo pas ba nous service parce que yo pas ba nous service. On attend des présidents mourir. On attend un premier colombien, un deuxième, un troisième jusqu'à ce que près de 20 plus que 20 colombiens entrent dans le pays hein. Donc pas go, moun yo pa gen feedback de ça. Yo pa gen aucune idée, yo pa chercher information. En tout cas, donc assassinat Jovenel Moïse son assassinat qui montre Haïti tout uni. En termes de sécurité, nous pas régler en merde. En termes de surveillance, nous pas régler en merde. N'importe monde qui sorti côté le sorti en vienne faire salver dans pays hein. C'est ça prouver nous. Et deuxième bagaille qui est extrêmement important, ou doit comme si ou doit comprendre de ça que Jovenel Moïse. Nous une société d'hypocrisie. Haïti son pays hypocrite.
Moun yo hypocrite, autorité hypocrite, politicien hypocrite, population hypocrite. Si nous pas hypocrite, c'est sûr que c'est pas États-Unis. C'est pas États-Unis jodi an qui t'a besoin prendre dossier assassinat Jovenel Moïse et sous bras yo pour yo pral maré moun, yo pral chercher moun qui coupable, moun qui complice, etc. Non. Non. Nous t'a prendre responsabilité nous comme peuple. Nous t'a prendre responsabilité nous comme haïtien. Nous t'a honoré mémoire président. Jodi an la malgré elle mouri, gon paquet, on paquet combat chiré puis qu'a fait pour yodou, Jovenel Moïse mouri, yo supposé traiter dossier là tant qu'on n'est pas citoyen etc. Moun sa franchement pas comprendre yo. Est-ce que son paquet moun fou yo ou bien et c'est haine nan qui rive là, hypocrisie qui rive jusque là. En tout cas, n'a pour retenu dans émission jodi an là, il y a trois groupes moun qui participaient dans assassinat Jovenel Moïse. Commanditaire, auteur intellectuel, exécutant. Deuxième bagage là c'est qui ça lié. So j'aime te dire nous faut nous chercher qui réelle motivation qui animait la justice américaine qui animait pays États-Unis jodi an là dans démarche pour Jovenel Moïse justice. De point de vue géopolitique, faut États-Unis travaille et c'est ça la fait là dans dossier assassinat Jovenel Moïse pour montrer différents autres pays dans Caraïbes, différents autres pays dans CARICOM non, différents autres pays qui n'ont autant, différents autres pays qui n'ont ONU que puissance ça qui est les États-Unis malgré au bas en mesure pour yo déjouer, pour yo chavirer, pour yo guetant camper plein assassinat Jovenel Moïse, mais au moins yo voulait montrer que gon méga procès, gon procès qui ka fait pour Jovenel Moïse rivière jeune justice. Mais est-ce que tout bon la motivation c'est rivé by Jovenel Moïse justice alors que complot li planifié la caille États-Unis. Li planifié avec CTU qui sont entreprises américaines. Li planifié avec des exécutants parmi eux qui prend formation dans pays États-Unis. Li planifié avec des haïtiano-américains, bon des américains. Donc on dit tête nous bien. États-Unis gè beaucoup plus pour le perdu que pour le ta gagner, il y a beaucoup plus à perdre que de gagner dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Parce que pas aucun pays sous la terre, pas aucun président dans le monde qui pral admettre, qui pral battre bravo, qu'on groupe assassin dans l'autre pays qui était la caillou pour yon dou yon pral assassiner un président élu. Un président mandal beaucoup fini, un président en fonction. Ça sont très mauvais présidents. Et si pas bon, jugement qui fait. Si pas bon condamnation, sanction qui baille, c'est comme si pas de jambes gagnent fait, c'est comme si ces portes ouvri, ces barrières ouvri, pour n'importe moun sot nan n'importe pays lié, al nan n'importe l'autre pays, al assassiner n'importe l'autre président. C'est un mauvais président. Un mauvais précédent pour l'ensemble des autres pays et précisément et particulièrement pour Haïti côté que nèg sa yo qui planifie assassinat Jovenel Moïse yo pral mettre nan tête yo bon comme nous fin touye Jovenel Moïse pas aucun monde qui réagit la caille n'a pas fait justice parce que nous puissants nous gain l'argent nous gain contrôle appareil judiciaire là bon les autres la vini s'il pas fait ça nous voulez n'a fait pas si même Jovenel Moïse vous comprenez donc fuck États-Unis font bagaille. Donc là, nous avons des démarches qui ont fait par bon côté la justice américaine. FBI, lui-même, matin, midi, soir, il a travaillé, il a cherché les gens, il a marré les gens. Nous, le département d'État américain, il a gagné pour rédiger un rapport pendant 3 mois pour remettre le Sénat, pour remettre le Congrès. Donc, bon ensemble de démarches qui entreprennent par bon côté la justice américaine. Mais en dépit de toutes les démarches qui ont fait par bon pays et par bon côté pays États-Unis, si yon pas en mesure pour yon déjouer, pour yon détourner, ou bien pour yon gete alerte Jovenel Moïse que li gon complot en plan sous tête li, pour qui ça se kounye? Pour qui ça, c'est dans le moment ça même yon décide pour yon prendre dossier Jovenel Moïse en charge? Mbradi, moi m'a clair, États-Unis pas prendre kol non bagay s'il pas ou intérêt. Premier intérêt, c'est la veille image. Ça, nous te dit déjà et nous clions sous lui. Mais bon, l'autre bagaille. Étant donné l'opinion publique, en Haïti, tout le monde fait quoi que les États-Unis ont poué avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Et là, c'est là où tout le bagaille est planifié. C'est là où on égale prêté serment. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Donc, si c'est comme ça,
opinion publique là en Haïti. Faut que yo font bagay qui pour changer donné qui pour chavirer bagay yo en avantage yo. Et danger qui gagne sous scène politique là. Yo pas connait qui l'autre monde qui pral qui prochain président pral gagner. Et si prochain président ça, c'est des jovenelistes citoyens. Et si prochain président ça, c'est des monde qui influent qui mande justice et qui hostile avec pouvoir américain, avec gouvernement américain, avec les États-Unis. Donc, il pas dans intérêt. Donc, nous pas connait comment relation diplomatique qui a venu dans le temps. Nous pas connait qui sa politique l'en réservé pour monde qui a gagné pour prochain président. Donc, États-Unis obligé là la préparer terrain lui-même parce que li pa vle trouver dans les années à venir non situation côté que moun ki pral prochain président paysan li pral dou que et comme États-Unis c'est la ka États-Unis tout bagay te planifié nous même n'a prend recul avec moun sa yo. Malgré la difficile même l'autre doit paquet politicien Abdou faut que yo prend distance avec États-Unis la très difficile. Très difficile pour qui ça parce que États-Unis fait de Haïti principal allié dans Caraïbes là. Principal allié dans Caraïbes là pour qui ça? Parce que là n'a regardé comment États-Unis t'a traité Jovenel Moïse et en pile l'autre président avant Jovenel Moïse et tant que président haïtien c'est petit monde qui était avec gouvernement américain. Jovenel Moïse garde qui quantité décision diplomatique qui fait prendre intérêt États-Unis voter contre Venezuela. Retirer Venezuela dans OEA. On ensemble de décision qui seul bénéficiaire c'est États-Unis. Quand on va dire Jovenel Moïse fait tout bagay ça pour nous. Fin rend nous tout service ça, partenaire nous, allié nous etc. et puis c'est comme ça, yo assassiné. Deux jours avant assassinat, ambassadrice la caille nous qui était payant le courrier le réfugié la série comme s'il était connon bagay. Bon ensemble de points, bon ensemble d'alerte, bon ensemble de signalement qui dou États-Unis ah si nous pas garder si nous pas contrôler ça qu'a fait en Haïti avec dossier Jovenel Moïse puis devant le capitrice pour nous. Et surtout regarder propagande qu'a fait en Haïti et éloge qu'a fait en Haïti, c'est pour Haïti gagner en relation ouverte. Une relation diplomatique ouverte côté que nous pas seulement une relation avec les États-Unis mais nous pral garder qui relation nous ka fait avec la Chine, qui relation nous ka fait avec la Russie etc. Donc États-Unis ba isa ou pas intérêt, isa ou pas intérêt puisque l'autre États-Unis met en face la Russie, c'est deux monde qui toujours dans bataille hing hang. La Chine de même. Donc jodi an la faut que yo chercher qui ça ka kembe États-Unis avec Haïti en très bonne relation, qui ka met en union qui ka permettre à ce que Haïti gon redevance envers eux. C'est ça. Assassinat Jovenel Moïse là, rivé ba justice avec Jovenel Moïse, rivé maré vagabond yo, mettez yon côté pour réfléchir yo. C'est ça Haïti besoin là et c'est ça y a ba nous là tout. Et pour moi être avec nous. Nèg sa yo qui actuellement là, notre tête l'état, que on prend ministre de la justice, que on prend premier ministre, qu'on prend ministre affaires étrangères. Comme un ministre de l'Intérieur, nèg yo montre ou yo gon velléité pour écraser pays. Nèg yo montre ou yo gon volonté manifeste pour yo corriger assassinat président Jovenel Moïse. Puisque Noriel fin cité comme moun qui gen de très bonne relation avec Badjo Félix, donc directement li impliqué, yo montre ou gon bonne volonté, ou gon volonté manifeste pour yo corriger Ariel Henry pour yo comme s'il y a backup Ariel Henry, yo campé avec Ariel Henry 100%, tout ça qui est pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse, tout coup de filet qu'a fait ça pas mêlé, ça pas business pas, même pas un tweet. Allez voir pour tabay point de presse, pour tabay conférence de presse, pour t'inviter la presse pour venir d'où voilà. Et ben tout dit nous ça. Gè des série de monde jodi an là qui fait partie de l'opinion publique de population qui voulait rendre journalistes responsables du fait que il a fait des analyses qui basées sur démarche la justice américaine a fait pour avancer avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais bon, dis-nous un bagage. Jodi an là, nous besoin méga procès. Si c'est États-Unis méga procès ça qu'a fait pour permettre à ce que tout le monde, tout commanditaire, tout auteur intellectuel, tout exécutant pour marrer tout pour traîner tout devant la justice pour condamner que le fait. Que le fait parce que la caille nous rend tête nous complices de ça qui a passé là. Nous rend tête nous complices de l'assassinat qui fait sur Jovenel Moïse. Pendant 4 ans, un groupe nèg yo chita
Yo commandité dans micro la presse, on paquet délinquant, on paquet machin micro, yo commandité pour yo dou Jovenel Moïse mais pied dedans. Jovenel Moïse c'est assassin, Jovenel Moïse c'est criminel, Jovenel Moïse c'est pire dictateur, Jovenel Moïse dissidentiel, etc. Nous pas lever la voix pour nous chercher connait. Nous pas lever la voix pour nous réagir, au contraire, manifestation 24 sur 24. Jovenel Moïse pas de mon sein. Moi m'a toujours dit nous, m'a dit nous le fort. Jovenel Moïse pas ton sein. Jovenel Moïse te prend un exemple de décret liberticide. Mais Jovenel Moïse, bon ensemble de déclarations, bon ensemble d'informations que ancien collaborateur Jovenel Moïse a bail l'opre sénateur Évalueur Beauplan. Beauplan lui-même il fait partie de l'opposition, l'aile dure de l'opposition et Évalueur Beauplan était dans Diopod. Là on parlait de Diopod, c'est moun sa yo k'ap fait manifestation, c'est moun sa yo k'ap dou camper derrière barricade. À un certain moment, le Beauplan te choisi à dialoguer, à chita parler avec Jovenel Moïse. Et nan bouche Beauplan, oui, Beauplan te dit woye fort que 95% Jovenel Moïse était prêt pour la opposition. On façon pour nèg yo té ka bay pays a un petit chance. 95% de gouvernement, li té prêt pour li té bay nèg yo. Avant hier soir, m'a tendé yon interview que ancien député Roger Milien t'a fait. Sous toute démarche qui fait pas bon côté opposition politique ça, raquette politique ça yo. Toute consultation, toute rencontre qui fait pour Jovenel Moïse té ka bay nèg yo ensemble davantage. Pour Jovenel Moïse te kabay nèg yo quantité ministère yo t'a vle, quantité direction générale yo t'a vle, quantité secrétaire d'état yo t'a vle, toute démarche qui fait nèg yo dou catégoriquement fuck Jovenel Moïse allez te met aller 6 février fuck Jovenel Moïse allez parce que c'est forme tête Jovenel Moïse yo pas de vle ouais même en dedans pays a prend décision comme président de la République. Moi m douli ça qu'arrivé ou pas dans Jovenel Moïse, ou pas dans Jovenel Moïse. Ça qui arrive, ou gen position, ou gen conviction politique, ou gen clan politique. Mais en dépit de tout ça, Haïti c'est pour nous tous. Haïti c'est pays nous tous liés. Donc ou pas qu'à gon velléité manifeste, ou pas qu'à faire preuve de mauvaise foi pour craser un pays comme ça, ou pas qu'à faire preuve de mauvaise foi pour nous vendre un pays comme ça, pendant que nous-mêmes, petite nous, madame nous à l'abri de tout besoin, nous à l'abri de tout danger. C'est pas possible. Et nous même qui fait partie de la population, je dis à moi des séries de monde qui fait figure dit qui pas un minimum de honte dans eux même qui a bat bravo qui a coré SDP qui a fait éloge André Michel. Qui c'est André Michel te fait pour la République? Qui c'est André Michel fait pour avancement pays, pour progrès économique? Qui ça a fait comme plan sécuritaire? Qui ça a fait en termes de stabilité? Ou pas dire aujourd'hui le fait que SDP signe et accord primature en septembre, ok, pas de manifestation, ça nous arrange tout, ça pas arranger quiconque. Parce que pays en fait carré plongé dans l'insécurité, pays en fait carré plongé dans l'instabilité, aujourd'hui là, accord en septembre, il pas barrière Henri aucune légitimité. Moi même septembre de m'dan de nèg Abdou accord en septembre, li en réel légitime. Le fait que la font paquet nomination moun foutait en bas là, c'est ça qui fait légitime, non? Non. Nous non contexte qui spécial. Ah oui, nous non contexte qui spécial, assassinat Jovenel Moïse, c'est spécial. Constitution pas prévoit rien. Constitution pas prévoit rien. Pour après 6 mois. Pour après 6 mois, le pas de dou que pral bon premier ministre qui pral fait plus que 120 jours, non? Li doit bon premier ministre qui a fait 120 jours, qui a organisé l'élection, et puis ça s'arrête là. Pour bon président élu. Nous-mêmes, nous faisons affaire nous tête en bas, et puis jodi an là, nous avons brandi un accord en septembre, tout côté nous passé, pour nous couvrir malpropre, nous faisons affaire dans le figure. En tout cas. Moi-même, pas tolérer ça. S'il faut, y avoir un méga procès. Si c'est la justice américaine qui pour marrer vagabond, qui pour marrer marine, qui pour marrer parine, qui pour marrer n'importe néglier, et chaque nèg ça aujourd'hui là qui t'en cou aussi yol, qui t'en cou et pupirite, y a scandé, y a fier, y a ceci, y a bagan, et puis y a ouais, y a à l'abri, y a protégé, y a légal. C'est top pas nous pour arriver, coup de code pas nous pour arriver. Parce que comment on arrive pour yon ban nou coup de code là? Et dans le jour qui vient là, les petits monsieur ça yon FBI pral faire yon parler. Les petits monsieur ça yon pral décider passer à accompli deal. Ah ouais, les nèg pral dit moi-même, bah, m'a pas pris 30 ans, m'a pas pris 50 ans, bon 10, d'accord 10, m'a sorti dans 7 ans, dans 5 ans. La pas obligé by X, la pas obligé by Y, la pas obligé by Z. Et n'a pas là pour nous. N'a pas là.
Eh bien, dans le dossier, ça, bon, dis-nous, parce que faut me chavirer dans l'autre dossier tout à l'heure. Dans le dossier, ça, c'est pas seulement garçon et mari. Nous allons saisir pour le mari femme tout. Là, je parle de femmes. Wendel Cox sont femmes, tout. Juge Wendel Cox sont femmes. Je parle de gros femmes, gros bout de femmes, presque. Il y a bien pour marrer, parce que un Jovenel Moïse a fini assassiné par un jouet. Un président a tué, a assassiné, a fait complot comme ça, par aucun monde qui a gardé bagages à l'anger. J'ai l'impression que c'est seulement Haïti. C'est seulement l'autorité, la Kainou qui prend bagages à la légère. Mais après ça, tout le monde, tout partout là, CIA, FBI, département d'État américain, tout le monde mobilisé là, a cherché malandrin, a cherché délinquant pour mettre en bas code. En tout cas, pour le dossier, pas faire ça, songez me dire nous ça. Il y a plusieurs femmes qui sont marées dans le dossier ça. Gros madame, gros bout madame, gros non. Songez ça. Nous allons faire un coup de pied dans Wanamet. Dans Wanamet, côté que c'est pas seulement dans le cas avec le commissaire Richemont qui a fait bel travail, bon travail contre tout délinquant, tout bandit. C'est pas seulement dans Miragouane pour joindre commissaire Muscadin qui a fait bon travail. Eh bien, là, sous frontière Wanamet, là, nous avons commissaire Bio, lui-même qui déterminé pour le croire bandit. Depuis ce bandouillé, il a déclaré personne non grata dans Wanamet. Question pour bandit, c'est tant de m'dande, nèg zot Port-au-Prince, nèg zot dans village, nèg zot dans différentes bases, vin Wanamet, vin Frizmoun. Récemment, information fait qu'on est que un groupe bandit sur Port-au-Prince vient frison Cambise. Yo touye nèg la pour un paquet l'argent et puis al nan hôtel y al bambilé. La police al prend yo, y al met men nan pa de cassave. Et bien hier là qui s'est crivé. Un jeune garçon 25 ans. Information fait qu'il sorti Port-au-Prince. Qui ça l'al fait l'al non bureau transfert, l'al braqué. N'a pas gardé à côté dans ça y a fait. En tout cas, population pa nan rans, population mettez la patte sous lit et c'est ça oublié yo pas fait. Donc, on va aller poursuivre une interview avec le commissaire Bio, qui lui-même déterminé plus que jamais pour le rendre Wanamet paisible. Et c'est ça nous besoin. Nous besoin des commissaires de police. Nous besoin des commissaires du gouvernement. Nous besoin un système judiciaire qui est fort. Nous besoin des autorités qui viennent pour avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Qui déterminé pour yon faire travail. Ce n'est pas seulement vin prend grade, vin prend belle statue, vin rouler belle machine. Faut qu'on fasse travail. Nous incompétents trop. Et c'est ça qui fait l'un nous jeunes des séries de monde qui compétents, des séries de monde qui prend engagement yon pour yon servir communauté, pour yon servir population. Nous obligés de battre bravo pour yon. Bravo commissaire Bio, bravo commissaire Muscadin, bravo commissaire Richemont. Continuez ba zone nous bon jan service. En allez. Nous arrivons tout interpellé en pile monde et plus de 300 cas, plus de 300 interpellations des monde qui nous interpellé tantôt pour vol de véhicules, tantôt pour viol, tantôt pour voie de fait, tantôt pour vol. Et nous arrêtons en pile monde tout cap et fouiller monde que ça nous relie association des malfaiteurs et des gens qui a fait ça le cambriolage. Mais si nous prenons seulement pour mois de décembre, nous arrivons à arrêter 6 personnes qui ont tenté de faire assassinat. Ils n'ont pas arrivé à faire, mais nous arrêtons. Nous arrivons à arrêter tout 16 personnes pour question de vol. On parle de vol. Qualifié, vol motocyclette, vol et armée et l'autre type de vol. Et nous arrivons à arrêter tout 6 personnes pour voir des faits seulement et nous arrêter 5 personnes pour question viol. Et tout le monde, c'est des personnes qui nous déférés dans le tribunal. Alors, c'est pour moi décembre, et parce que le moment fait là, il était vraiment mouvementé pour nous. Et comment nous faisons pour nous gérer les frontières, surtout le moment décembre là qui se passe? Alors, pour gérer les frontières là, nous avons tout ça avec un task force. Nous avons une rencontre, et nous avons fait avec
universitaire, polyfronte, on est polyfronte, il même plus spécialisé dans la question de gestion frontière là, qui est déployé en pile. Et nous avons gagné l'immigration, nous avons gagné l'ONM, et puis la justice, et la mairie, tout est impliqué pour être capable d'essayer de contenir la situation. Et ça te permet, comme tu as un pile de monde qui a déporté tout, ça te permet non seulement de recevoir les gens dans le respect du rayon, mais tout nous, ça te permet de réduire la quantité de cas qui ont gagné, cas de vol qui ont gagné dans la frontière. Et dans quatre dispositifs, comprendre bien toute l'équipe qui a été mobilisée, que ce soit IBSR, Polyfront, la police nationale, IDMO, immigration, la justice. Ok. Y a un message pour tout bandit, pour tout le monde qui t'a appelé, sorti dans l'autre ville, mais sorti dans l'autre zone pour venir faire ça qui passe dans la ville. Je dis que dans Wadamet, il y a un bon mariage qui fait entre la population et la police. Et voilà, même si c'est pas bon côté, il y a une faire acte de banditisme. Parce qu'il y a une possibilité pour non seulement la police prendre main dans le sac, en flagrant et la population en tout, pas dormi, ils sont très véatifs. Et d'ailleurs, ils ont partagé de très bonnes informations avec nous. Et puis, on arrive, c'est des autres pour venir faire, il y a une possibilité pour être capable d'interpeller et remettre au bail la justice. Donc c'est pas voilà, mais c'est pas plus bon côté pour bandit à développer. Hey, aucun problème bang. Bagay la petit. Rete la parole. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils c'est pour mal ball en même. Ça pourra le permettre de rallonger bien. Bal longueur vle et puis survle pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution nan men, pardon yam. Et ou même ka fè rove. Ah, madame nan bavlo nan kaila. Kout ki lot fè pou pou. Ou fè bekate? A bien ba enkyeto, solution la. Gembon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bekate fini, za fò regle. Non bon ti mami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Rele nan 514 886 97 76 ou bien nan 37 55 46 06. Ou bien tout, passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures, de chez Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.